Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du livre de Richard Templar, Les 100 règles qui vous permettent d'obtenir tout ce que vous voulez. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Les 100 règles d'or qui vous permettent d'obtenir tout ce que vous voulez. Alors, c'est un livre de Richard Templar, un auteur britannique qui a écrit plusieurs livres sur le développement personnel. Il écrit notamment les 100 règles d'or qui vous permettent d'obtenir tout ce que vous voulez dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, mais également les 100 règles d'or du management. Il s'inscrit vraiment dans ce domaine. Il va nous concocter des petits guides avec plusieurs règles pour obtenir ce qu'on veut. Les 100 règles du livre de Richard Templar sont divisées en 4 parties différentes. Dans chacune de ces parties, il va délivrer plusieurs règles et nous expliquer comment d'abord définir ce qu'on veut, nos objectifs, pour pouvoir atteindre ces derniers. Il est divisé en règles. Donc à chaque règle, on va avoir à peu près une demi-page où la règle sera explicitée. On peut le prendre en main très facilement. Là, on peut directement aller aux règles qui nous intéressent et aux parties qui nous intéressent. Dans ce livre, ma partie préférée a réellement été la première partie. Pourquoi? C'est vraiment la partie pour chacun la plus difficile. C'est pouvoir définir ses objectifs sans en avoir honte, sans porter un jugement sur ces derniers, mais réellement les assumer et partir ensuite en quête de l'acquisition ou de la réalisation de ces rêves. Je ne m'attendais pas à ce contenu, mais j'ai été agréablement surprise. Alors malheureusement, ce livre, le petit bémol que je pourrais dire, j'ai trouvé qu'on n'allait pas toujours au fond des choses, mais on avait des amorces qu'on peut appliquer. Mais ça va rester superficiel. Ce livre, je le conseille à toute personne qui va rentrer dans le milieu professionnel, donc les jeunes qui commencent, qui ont peut-être leur premier emploi. Je sais que souvent, quand on passe par là, c'est une période assez compliquée parce que passer des études tout de suite à la vie active, on voudrait avoir un mode d'emploi pour savoir comment se positionner en entreprise, comment échanger, comment aussi négocier. Ce livre va vraiment vous donner des conseils et des astuces pratiques. Donc, si vous pensez déjà être en bonne position, passez votre chemin, ce livre ne va pas vous intéresser. Je l'ai acquis pour un prix de 8 euros. Vous pourrez le retrouver dans vos librairies et papeteries habituelles. Au final, ce livre, je lui donnerai une note de 5 sur 10. Je pensais qu'on allait beaucoup plus s'étendre sur d'autres sujets et là, ça reste assez succinct. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez également des livres à nous proposer, n'hésitez pas, on est vraiment ouvert à toute proposition. Quant à moi, je m'en vais préparer ma prochaine chronique sur le livre de Jaili Amadou Amal, Les Impatientes. Yeah.